Alors dans cette vidéo je vais vous dire comment avoir le skin Midas zombie. Et bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas pour ma part ça va nickel. Et dans cette vidéo je vais vous dire comment avoir le skin Midas. Alors pour vous les abonnés, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'en fait il y en avait beaucoup qui me demandaient comment avoir ce skin. Alors ce skin est enfin disponible sur le jeu, il y avait deux jours où ils n'étaient pas disponibles. Mais je vais vous dire entièrement comment avoir ce skin. Avant de débuter la vidéo, je sais que vous me connaissez, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. Vous mettez plus un dans les commentaires si vous êtes abonné et je pourrai vous faire une dédicace. Également, si vous voulez m'avoir en ami sur Fortnite, vous mettez vos pseudo épiques dans la description. Vous pouvez le mettre une à deux fois, mais évitez de le mettre plusieurs fois, ça sert à rien. Après, c'est comme vous voulez. Et également, si vous voulez jouer avec moi sur Fortnite, mettez également vos pseudo épiques dans la description. Vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord pour parler avec moi en direct et que je puisse vous ajouter le plus vite possible. Mais bref, assez parlé, je vais vous dire comment avoir ce petit skin magnifique. Alors vous savez, on est à Halloween bien sûr. Et à Halloween, qu'est-ce qu'on a? On a des skins d'Halloween. Le Battle Bus va bientôt changer, ça va être un Battle Bus si vous voulez. Je peux mettre l'image à l'écran si je la trouverai. Mais du coup, le skin Midas Zombie est sorti il y a un jour. En fait, c'est très simple de l'avoir, mais c'est quand même compliqué. Il faut lancer une game, pas en créatif, pas en labo de combat, etc. Des parties online, solo, duo, section, arène solo, arène duo, plutôt trio ou arène squad, etc. Mais vous lancez tout ce qu'il y a en ligne. Vous allez sur la map, vous allez directement à l'agence. Bon, ça s'appelle plus vraiment l'agence, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous y allez. Et quand vous y serez, il faut essayer de chercher Midas le plus rapidement possible. Faut faire très attention parce que Midas Zombie n'y est toujours pas. Si vous ne le voyez pas, relancez une game, mais il faut vraiment être le premier à l'avoir. Parce que dès que vous avez une Midas Zombie, il faut le tuer instantanément parce qu'en fait, dès qu'il vous regarde, sous les 5 à 10 secondes, il disparaît et il dépop et il devient Midas normal. Du coup, c'est pour ça qu'il faut accélérer en plus. Il y a beaucoup de monde en ce moment pour avoir le skin. C'est pour ça qu'il faut essayer de l'avoir en premier. Et en plus de le tuer avant qu'il disparaisse. Mais en plus de ça, il n'est pas à chaque game. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué de l'avoir. C'est plutôt qu'il y a beaucoup de monde et qu'il n'y est pas dans chaque game. Et c'est pour ça que c'est dur de l'avoir. Du coup, vous essayez de lancer une game. Dès que vous le voyez, vous le tuez le plus vite possible sans aucune balle pour l'avoir et avoir le skin. Dès que vous le quitterez, vous aurez le skin. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos pseudo épiques dans la description plusieurs fois si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Ça fait super plaisir. Écrivez plus ça si vous êtes abonné. Bref, ciao.